une attestation déplacement pour quitter votre domicile. Cette attestation déplacement peut être écrite à la main ou lue sur du papier normal, imprimée à partir du site web du ministère de l'Intérieur ou remplie sur votre smartphone grâce à l'application Tous Anti-Covid. Deux attestations déplacement permanentes peuvent également être de livres pour faciliter les voyages récurrents, attestation déplacement pour des écoles et une attestation déplacement pour l'employeur, qui peut être combinée avec une carte professionnelle. Accompagner un enfant, prendre l'air de couvrir toutes les exemptions lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 29 octobre, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé la liste complète des raisons de voyager loin de chez soi avec une attestation déplacement obligatoire. Si certaines exemptions existaient déjà au moment de la première détention, des autres sont nouvelles, comme le droit de se présenter à un concours ou à un service public. Le tableau ci-dessous énumère toutes les exemptions. S'il ne s'affiche pas correctement dans votre navigateur, cliquez ici. Accompagner un enfant à l'école. Il est possible d'accompagner ou de récupérer un enfant à l'école. Accompagnement d'un enfant à la crèche. Possibilité d'accompagner ou de récupérer un enfant à la crèche. Aider une personne handicapée. Il est possible d'accompagner une personne handicapée. Le développement de l'activité professionnelle. Si votre activité n'est pas réalisable par le biais du télétravail, faire des courses et l'achat de produits de première nécessité ou de fournitures professionnelles est autorisé. Mission des intérêts généraux, association de lutte contre la pauvreté, distribution de repas à domicile, des raisons familiales convaincantes, assistance aux personnes vulnérables et précaires, garde des enfants, raisons judiciaires ou administratives possibles dans le cadre du dépôt d'une citation judiciaire ou administrative, prenez l'air possible si la promenade est effectuée, un examen, un concours possible, permis de conduire, par exemple. Aller dans un service public, il est possible de se rendre à la mairie, à la préfecture, à l'assurance maladie, à la CAF, au centre pour l'emploi, pour se rendre dans une banque, à la poste possible, car les guichets resteront ouverts, faire du sport possible. Voici les attestations déplacement à télécharger pour se déplacer pendant le confinement. Le président français Emmanuel Macron annonce mercredi que la France sera à nouveau confinée, le trafic sur Covid-19 ayant fortement et brutalement augmenté ces dernières semaines. Sixième incarcération intervient près de 5 mois après la première, qui est déroulée du 17 mars au 11 mai. Elle débutera ce jeudi à minuit et sera en vigueur au moins jusqu'au 1er décembre. Pour pouvoir voyager, comme au printemps, vous devrez remplir une attestation déplacement, garantissant que vous avez une raison autorisée de voyager. Toute personne qui est fouillée sans autorisation sera condamnée à une amende de 135 euros. Attestation déplacement, comme au printemps, ces dérogations vous permettront de faire vos courses, d'aller chez le médecin mais aussi de prendre l'air pendant une heure maximum et dans un rayon des 1 km autour de la maison. Les différents modèles des attestations déplacement ont été mis en ligne dans la soirée sur le site du ministère de l'Intérieur. Si cette attestation déplacement ne s'affiche pas correctement sur votre appareil, voici le lien. Attestation déplacement pour aller travailler. Outre une attestation déplacement de voyage exceptionnel, deux autres certificats permanents seront délivrés par des entreprises et des écoles. Une attestation déplacement de voyage des affaires, disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, doit être délivrée par l'employeur pour justifier le voyage des affaires d'un employé, qu'il s'agisse du voyage habituel entre le domicile et le lieu de travail ou du voyage entre différents lieux de travail lorsque cette attestation déplacement est permanente et n'a pas besoin d'être renouvelée pour être valable. Si cette attestation déplacement ne s'affiche pas correctement sur votre appareil, voici le lien. Attestation déplacement pour la scolarisation des enfants. Quand à la preuve du voyage scolaire, elle devra être remplie par l'école. Contrairement au premier confinement mis en place au printemps, les écoles, colleges et instituts resteront ouverts. Certificat professionnel, le document de voyage scolaire sera permanent et ne devra donc pas être renouvelé pour chaque voyage de cette nature. Si cette attestation déplacement ne s'affiche pas correctement sur votre appareil,
Voici le lien. Accueil actualité en direct, attestation, déplacement, reconfinement, téléchargez la liste complète.